Nous avons fait le constat, pour le coup largement partagé, que à l'ère digitale, un ensemble d'acteurs, les plateformes numériques, les hébergeurs, sont en train de devenir des acteurs à part entière sur la scène culturelle, et qu'ils ne sont pas que les tuyaux, les réseaux, les contenants. Et que donc il faut modifier le cadre légal dans lequel, jusqu'à maintenant, régi par une directive dite e-commerce, hein, commerce électronique, ces plateformes numériques, ces hébergeurs, exerçaient leurs activités avec une exception de responsabilité qui les exonère de toute responsabilité quant au contenu de ce qu'ils diffusent, de ce qu'ils véhiculent. Ça vaut d'ailleurs aussi bien pour cette absence de responsabilité, donc cette irresponsabilité qu'ils ont concernant, par exemple, la diffusion de discours de haine, la diffusion de vidéos ou de propos incitant à la commission d'actes terroristes, etc. Mais ça vaut également pour cette absence de responsabilité, et donc des conséquences pratiques qui en découlent pour la diffusion d'œuvres qui doivent être protégées par le droit d'auteur, parce qu'elles sont le fruit d'une création artistique et culturelle. Donc nous voulons modifier, et donc nous proposons une réflexion, une amorce de réflexion pour introduire le principe de responsabilité dans le cadre légal qui pourrait être le cadre légal futur dans lequel s'exerceraient les activités des plateformes numériques et des hébergeurs. Voilà. Modernisation, certes, adaptation à la donne nouvelle, nous y sommes tout à fait prêts, et donc ça veut dire responsabilité. Paiement de droits d'auteur, par exemple, s'agissant de la diffusion d'œuvres protégées, ça nous semble être la moindre des choses, et pas des petits droits d'auteur. Une vraie et juste rémunération.